Sérieux, boss? Putain, mais c'est pas possible, ça. The fuck, celui-là? Encore? C'est pas possible, celui-là. Allez, mon zizou, fais la passe, mon zizou. Fais pas ton perso, mon zizou. Toc! Devant le grincheux, voilà. Oh, c'est beau! Pas ça, pas le soleil californien. On l'a toute l'année, all day, every day. Là, le nouveau e-bike de Daddy. Salut les copains, les Hawaïens, les Tahitiens, les Réunionnais, les Sénégalais, tout ce qui va bien, comment qu'il est. Alors tu l'as compris, je suis à la poste américaine, j'ai envoyé une casquette en France, la bleue, comme Daddy, tu vois, double douce. Donc le mec, il m'a dit, qui travaille le facteur, là, il m'a dit, bah écoute, donc t'as déclaré 20 balles la casquette, ils vont peut-être taxer en France, je te le dis comme ça, je dis ça, je dis rien, en France, estimé 30 balles de taxes. Je lui dis, mais merde, la casquette déclarée 20 balles. Il m'a dit, ouais, mais c'est comme ça là-bas. Je sais pas comment ils font, comment ils calculent Macron. 30 dollars le mec à l'arrivée. Peut-être, maybe. Je lui dis, putain, la vache. Ah ouais, ça rigole pas là-bas, les impôts. C'est un peu comme au Brésil. Donc, c'est pareil. Donc, les gars, tout ce qui est taxe, je sais pas comment ça se passe en France. Des fois, ils t'envoient un papier avant que tu reçois la pièce de Daddy, le moteur ou la casquette. Il faut payer les taxes à l'avance avant de récupérer le bordel, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça en France que ça fonctionne. Et j'y peux rien, les gars. C'est pas notre faute. Il l'a dit ici, le facteur américain, c'est pas notre faute. On n'y peut rien du tout. Mais des fois, ça passe. Des fois, la casquette arrive et t'as rien payé, tu vois. Ça dépend un petit peu. C'est au coup par coup. Mais, ouh, putain, c'est cher à Toulouse, hein. Ouh. Gros big up à la police municipale de Paris. Moi, c'est pour vous, les gars. Le feu rouge, monsieur Hidalgo, bien enroulé. Envoyez l'amende, les gars, la police. On est là en Californie, on les attend, les amendes. On les stack up, comme on dit. On fait du stock, on les entasse, on collectionne. Alors j'aperçois le tunnel. Ouais. Les quais de Seine, le pop and bang. Mais mec, fais-moi peur, j'étais pas prêt cette fois-ci. J'ai chié dans mon ben. Here we go. Ready? Putaclic. Va regarder ma vidéo, s'il te plaît. Tu ne peux pas la rater. Regarde-la jusqu'au bout. Je t'en supplie, je me mets à genoux. J'ai besoin de ta YouTube money. Money. Voir Robert. La Prius, les piafs qui chantent, le cimetière du Forest Lawn, où sera un jour peut-être enterré Daddy. La trottinette, elle n'est pas électrique, c'est parti les gars. La GoPed. Alors justement, à propos des trottinettes, on en a un petit peu parlé. Des vélos électriques, des trottinettes électriques, des dirt électriques, des motos électriques, des sportifs qui roulent sur l'autoroute ici en Californie à 300 km/h. C'est compliqué, ok? Il y a différentes catégories de véhicules électriques de roue, il y a différentes lois, etc., etc. On ne pourra pas couvrir. Ce qu'il faut retenir, c'est que la loi, c'est la loi, mais qu'en Californie, si tu veux, on zigzague, on s'en fout un petit peu, la police n'est pas là, et tu auras beaucoup de véhicules 100% illégaux comme on suronne. Il n'y a même pas les pédales, c'est même pas un vélo, c'est une petite moto considérée moto électrique qui va trop vite, donc qui doit être immatriculée en général, etc. Ok. Mais bon, c'est compliqué. Tout ce que je peux vous dire, c'est que profitez en tout cas de la vie électrique. Ici, la Californie, de la liberté, on va filmer des trucs et on va se faire plaisir, sans trop se poser de questions, tu vois. D'ailleurs, tu sais qu'il y a une moto cross qui s'appelle le Stark Varg, qui a été filmé par monsieur Sir Ronster sur YouTube. Yo, c'est mon poteau. Je le connais, lui, Mr. Livingston. Et ouais, donc c'est 80 chevaux estimés. Le truc, c'est un truc de malade. Il a mis sur des pneus street, tu vois. Il a retiré les crampons. Il a fait des vidéos, essais, etc., etc. Waouh, dans downtown. Complètement illégal, 100% illégal, 200% illégal. Sans papier, sans plaque d'immatriculation, sans assurance, sans rien du tout. Sans carte grise, putain. C'est des sauvages. C'est LA, frère. C'est lourd, cette saloperie, les gars. Ah, quand même, ça pèse son pesant d'or. Hein. Bon, ben voilà, bienvenue en Californie, le soleil toute l'année. Comment je kiffe, les gars. Flippo de Clown, bien sûr, du film E.T. Téléphone maison. Voulait pas marcher. Il y a une meuf qui est venue ici, un mec qui va venir dans une heure, tu vois, qui va me déposer une Tomos, un ancien de vieux de la vieille qui a Pasadena, qui fait la réparation mobilette dans son jardin, son pavillon depuis 20 ans. Donc sa meuf, une asiatique, a la maladie de Parkinson. Donc elle touchait le joujou de Daddy, lui a dit « Touche pas, tu vas casser !» Ça fait des mois que le truc il marche pas. Depuis qu'elle l'a touché, la Magic Touch, il fonctionne le truc. C'est un truc de malade. Même moi, Louis, on pouvait pas le faire tourner ce truc-là. Donc là, on va voir. Je rentre dans le shop ce matin, la vérité. Je fais bang bang les lumières. Le truc il saute. Je te promets. Come on, baby. La Magic Touch. Aïe, putain, ça fait mal aux mains là. Non, je... j'étais pas prêt cette fois-ci. J'ai chié dans mon ben. Oh, c'est lourd, hein. Vas-y. Allez.
Allez, le PSG, allez. Delta 0, Delta 0, Delta 0, 0, fion, fion. Delta 0, Delta 0, Delta 0, 0, fion, fion. Ouais, fion, fion. Waouh, 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 waouh. Il est là. Bon, bah quand faut y aller, hein. J'en crache mes poumons, le jeu daron, faille pour l'eau. On est là, les gars. Alors, bien sûr, le poncho à côté, tu vois, il est old school. Il m'a regardé déballer tout ça, tu vois, sortir de la Prius. Il s'est posé des questions. Donc, on va éviter, bien se cacher, parce que lui, il est old school. Un petit peu à la française, à la franchouillard des années 80, qui va jalouser, qui va rager. C'est quoi ce tout neuf? Combien tu l'as payé? Combien ça coûte? Alors que Louis, le vrai américain, c'est pas un mexicain qui est né ici, élevé au grain, il s'en bat les couilles de savoir combien je l'ai payé. Le vieux grincheux, de l'ancienne, de je sais pas quoi, de je suis jaloux, de je vais rager, c'est combien il l'a payé. Il a des thunes, il est pété de pognon. Jaloux, rageux. Come on, baby! Come on! Come on! Really? Really? Sérieux? Pop, je travaille! Dodio! J'étais en train de penser, t'imagines, je me suis fait arnaquer sur le parking. 4000 boules, bang bang cash, je rentre à la maison, j'ouvre. Y'a rien à l'intérieur du carton et tout. C'est une vieille merguez, rusty crusty, moto bécane des années 80. Comment je suis trop excité, les gars, je crois que ça soulève. Pop! Comme un gâteau de mariage. La pinoc qui sort et tout. Attention, wait for it! Wait for it! 4, je vois rien, bah tu restes tranquille, Robert. On peut pas tout faire. Oh mon daddy! Oh mon daddy! Ta-da! Oh fuck yeah! C'est du chinois, les gars. C'est du Shanghong électrique. Ça vient de la Chine, c'est tout frais. Attention, les pièces, ne pas balancer. Le chargeur, le machin, le bordel. T'as vu, c'était bien protégé avec les nids d'abeilles et tout. Bang bang! Les cartons, le recyclage. Bonbon dans son emballage. Oh, oh, je suis tout excité là. Ah, c'est Noël, les gars. C'est vrai en plus. Nid d'abeilles, on est là. Sur on. Lightbi X avec la batterie 40 ampères pour ton plaisir. Donc je crois que c'est du 60 volts 40 ampères. T'as la batterie 32 ampères un peu moins puissante. Donc t'as une option pour 150 boules en plus du prix, tu vois. Ça, ça vaut à peu près avec les taxes et les frais de port à la maison 5 000 $. Je l'ai payé 4 000 $. T'as plus la garantie. On découvre, les gars, bien sûr. Le garde-boue avant, il est là. Garde-boue arrière, c'est là. Tac, tac, on va découper tout ça, le zip tie. Tie, tie du 9-2. Zip tie, en français, en tahitien, riselant, serflex, je sais pas quoi, c'est très sexe, tout doucement. Donc c'est mieux pour moi d'acheter un 9 finalement, parce que j'ai cherché un petit peu le marché de l'occasion à 3000 boules, ça décote pas ces saloperies. À 4000, le mec, il a déjà 2 ans dessus. 4 000 $, tu vois, avec des rayures de partout, les sentiers, les terrains vagues, rayés de partout. Ouais, mais j'ai rajouté une selle customisée. Ouais, j'ai rajouté des cale-pieds customisés. Ouais, j'ai rajouté des poignées en caoutchouc Scott customisés. Ouais, j'ai mis 1000 boules dedans, j'ai rien à foutre, moi. Moi, je le veux tout neuf pour 4000 boules. Toc. De 2023, des fois, avec 1000 miles dessus, ils en veulent 4 500 $. 4 500, 4 200 $ d'occasion. Il a un an, le truc. Tu te touches, touche. Mais non, oui. En tout cas, c'est bon à savoir, ça ne décote pas. Les vélos électriques sur onde ne décotent pas. Alors bien sûr, tu as les Talaria, bien sûr, tu as le Pro E-Ride, Pro SS, qui est magnifique, qui déchire de ses morts, sorti de la boîte, le sur onde, qui va beaucoup plus vite d'origine. I know, bro, qui est beaucoup plus cher aussi. C'est pas le problème, faut commencer quelque part, ça c'est un gros plaisir. C'est pas tout le monde qui déballe en Californie, aux États-Unis, un sur onde tout neuf. Le jeune Suron, tout neuf, et la clé qui brille. Bling bling, let me see this shit. Roue avant, frein à disque de ses morts, on est là. Comme ça, tu verras un peu comment ça se passe. Ok, ici en Californie. Bien sûr, en France, il y en a. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme marque. Voilà, ce qui est disponible, mais n'oublie pas que moi, j'habite aux États-Unis, donc je m'occupe seulement du marché américain. Des V8, des Dodge, Charger, des gros Raptor, des gros Easy. Du T-Rex qui est très sexe et des vélos électriques, et voilà. Chaque continent a son marché, si tu veux, et ses lois en place par rapport aux véhicules. Et ici, c'est la Cali, la liberté totale. Alors, les autocollants Suron jaune fluo, tu peux les retirer, il n'y a pas de souci. Une des critiques par rapport à ce modèle, le Suron, ce sont les cale-pieds en alu brossé ou je sais pas quoi. C'est beau, c'est là, c'est silver, c'est bling bling. Les consommateurs en général auraient préféré des cale-pieds black, tout en black. Le modèle tout en black, sans les autocollants. Et voilà, une des critiques, c'est un détail, mais les gens préfèrent
et souvent achète les cale-pieds tout de suite black. Donc t'as vu, il arrive presque préassemblé, plus qu'à mettre la roue avant, le garde-boue avant, le guidon, le machin, le LED screen, etc. L'étrier, faire passer les câbles avec du zip tie, que ça vienne pas frotter le pneu avant, attention. Et voilà, tu vois, petit détail, la plaque sur on, ça vient avec les lumières, LED, Nandi, doodle ma gueule. Je vais quand même, je sais pas, cacher le truc, je sens pas le mexicain. Le rageux, tu vois, la franchouillarde. Combien ça coûte? Combien tu l'as payé, espèce de bourgeois? Quand tu descendras au Cobob, un jour il va le voir, de toute façon il va rager, je sais. Mais laisse-moi apprécier au moins le moment, la première journée, tu vois. Prompts. Ouh, c'est du doll, ma gueule. C'est beau, les gars, c'est beau, les gars. Warning. Attention, les gars. Donc, c'est parti. Ne jamais, jamais, jamais. Trop tard, Robert. Au centre, angle de rotation, nickel. J'ai trouvé l'angle qui me convient. Je vais le finir à la main, à la veine bleue. Ça fera plaisir à Robert. Know what I'm saying? Bang. Next, le levier frein avant, bien sûr. La poignée d'accélérateur. Alors, c'est bien, c'est comme les motos. Frein droit, frein avant. Levier gauche, frein arrière. Comme les motos. Souvent, les vélos sont inversés. Tu connais l'affaire. Logo sur on, apparemment, le fil, il passe par-dessous, pas par-dessus. Hein. Et donc, d'ailleurs, là-bas, on a la même position au niveau des grips. Ouais, d'ailleurs, je te rappelle, c'est pas un vélo. Hein. Il n'y a pas les pédales. Donc, c'est considéré petite moto électrique. C'est la vérité. Phare avant, on y va, les gars. Alors, je te rappelle qu'il y a plein de customisations là-dessus. Hein. Tu peux te faire un gros plaisir, acheter un phare LED comme tu kiffes. Changer les poignées, on t'en a parlé. Changer la motorisation, la puissance, les roues. Mettre des roues de dirt. Tu peux y aller, hein. Un vrai dirt de ses morts. Donc là, c'est pas évident. Faut lui trouver le trou du fion, ça y est. Comme on l'a dit. Ouais, il y a plein de trucs à faire là-dessus. Les freins. Plus t'as de puissance, plus faudra des bons freins. Ceux-là vont être un peu limités. Forcément, là, d'origine, ça va. Mais si tu fais ton kéké à 200 km/h, attention, hein. Changer les freins. C'est une huile, mais qui n'est pas moto. Je crois DOT, DOT 3, DOT 4. Donc, il résiste pas à la grosse chaleur, tu vois, au gros freinage. Donc, tu vas être limité. Paf, pastèque, dans le ravin. Bon, bah, je pense que je vais faire péter le garde-boue rapide. Ensuite, la roue avant et c'est terminé. Il y a des clés. La charge, on va voir. Est-ce que ça démarre? Ouh. Oh. Pop, je travaille. Pop, je travaille. Il y a trois vis à retirer. Deux devant. Voilà. Et la dernière derrière. Trois vis. Ne raye pas les plastiques, hein. Attention, le klaxon. Il n'y a plus qu'à, les gars. Donc, mettre la roue avant, l'axe. Passer les étriers de frein, les câbles, surtout que ça touche pas le pneu. J'ai retiré la housse parce que l'autre, il me cache le plaisir en fait. Zormalar chouma suile. C'est un peu le problème avec les jaloux de la life, bien sûr. Les vieux mexicains, ou comme en France, on t'en a parlé, tu m'as dit, les porchistes qui roulent la nuit cachés comme Batman, qui n'ont pas le droit de montrer la richesse, le fruit de leur dur labeur de 30 ans de carrière, pas le droit le mec. Pareil avec le pancho. Old school, le mexicain. Non, t'as rien vu, frérot, c'est top secret, t'as rien vu. Non, non, t'as rien vu, les jaloux, les rageux, non, y'a rien, y'a rien, y'a rien, mon Valentin, y'a rien là, y'a rien. Non, y'a rien, y'a rien du tout, frère, y'a rien. Non, y'a rien, mon Valentin, les jaloux, les rageux, je connais l'affaire là. Y'a du rageux, y'a du jaloux, ouais, ouais, je connais là, les jaloux là, les Mexicains, tous des jaloux. That's electric. La honte, je sais, la honte. La honte, non. De temps. Ouais. Même pas eu, regarder. La honte, hein, l'électrique, shame on me. Fuck, l'électrique, putain. So falsification, no, de numéro. Yeah, yeah. Falsification, oui. Falsification, go away. Blanc bec, on falsifie en Californie, on s'en bat les couilles. Voilà, voilà, falsifie, toc, avec les couilles. Voilà. La beat, la beat. Top secret? Top secret. Ah, ah, it's working, cabron! Right I now? Swear to God, the lady who showed up yesterday, yeah, with the Parkinson's disease, yeah, she played with it, the husband of mine. Don't touch it, you're gonna break it. The magic touch, it's been working since. True story, fuck? Magic story. Yeah, I believe the it. Lady touched it and now it's working. That is it's crazy. You put batteries on it. Bro, that crazy motherfucker, yeah, crazy. I thought it was the beat. Non, c'était pas la beat, c'était la touch, okay, de la Jenny. Voilà, de la meuf, l'asiatique qui avait la maladie de Parkinson. Elle a touche-touche depuis sa marche. Enfin, il est là, le parrain, le gangster. Ah, lui, il regarde d'un œil. Je sais, il regarde d'un œil. C'est un curieux, lui. Il s'occupe pas de ses fesses, tu vois. Il se mêle jamais de ses affaires. Il aime bien fouiner dans les histoires des autres. Le dernier package. Ouais, ouais, ouais. You pippin', hein, cabron. Il regarde, il ziote. L'espion, yaya. Yeah. Pervert, espèce de pervers, l'espion pervers. C'est quoi, ça? Oh, putain, il y a du chargeur, il y a du transformateur, il y a du transfo. Alors là, c'est un peu tricky. C'est un peu compliqué, faut sortir l'axe. C'est bon, ça sort, les gars, attention avec le poids de la moto. Ça va tomber, tu la retiens, tu sors l'axe comme un professionnel. Comme Daddy, en Californie. Bam! Pop, je travaille. C'était sous tension, la morto et tout. Ouf, let's go. Je te conseille un tapis de yoga à la descente de la machine, du crate, et c'est parti, les gars.
l'axe d'une main, tout seul comme un grand. Ah mais oui, je suis con. Faut acheter le stand, comme les motocross. Une espèce de béquille qui est là, une plateforme, tu le mets dessus et tu travailles. Tranquille comme un boss. On va improviser les gars. Yeah daddy, pas mal daddy, le petit tabouret. Alors t'as deux entretoises avec un joint torique, ok? Pour la poussière, le dirt, enfin tu connais la terre et tout, les terrains vagues. C'est trop lourd les gars, je galère. Faut vraiment un stand, une béquille haute. Ou alors comme moi, on va ruser, tu vois, je vais l'attacher carrément tout là-haut. Mira, 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 regarde. On est là, j'ai la pince du seigneur qui permet de faire les poubelles. Ou à la maison, quand t'es handicapé en fauteuil roulant. Je peux pas atteindre le placard, je peux pas ouvrir les placards, chercher les gâteaux, les cookies. Voilà, bah tu fais comme daddy. Bam! Mira, mira, tout seul comme un grand. Oh, ce que je vais lui mettre! Mais ce que je vais lui mettre! Petit bruit de shape! Fallait monter sur l'escabeau, le nimbo. Donc je pense qu'on est bon là. Oui, oui, oui! Donc, on remet ça, un petit peu de graisse quand même. J'ai fait ça comme un professionnel. Son corps, Robert, il va lâcher les commentaires. Et tu slides. Tu lui fourres le fion. Oh, comme as. C'est bien rentré dans l'étrier, tu connais la suite. Pépapan, 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 pépapan. Tu connais la suite. Vis, 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 vis. Ne jamais, jamais, jamais. Got it. Ne jamais, jamais, ne jamais, jamais, ne jamais, jamais, jamais. Trop tard, Robert. Je vais checker les roulements, tout est serré. Schlack, ça fait schlack. Lui, il me fait sauter à chaque fois. À peine je bouge maintenant, s'excite le truc. Je vais descendre sur un. Tout doux, tout doux, tout doux. Ne raye pas la peinture. Tout doux. 1, 2, 3 positions pour les cale-pieds. C'est beau. C'est un peu beau. Mop chop, on est là. Non, c'est sur on chop, c'est sur la lune et tout. C'est parti, les gars. C'est la guerre, la NASA, c'est beau, il y a de la weed, il y a la caisse à outils aussi, enfin la trousse, pardon, pour assembler tout le bordel. L'outil chinois, j'en veux pas. Ici, la plaque, c'est la finale. Le petit padding derrière que tu vas coller pour protéger le câble et le bordel. Et la fourche, la peinture et les riselants, voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Un petit défaut ici, la plaque craquée, sortie de la boîte, ça arrive. Hein. Dans mon âme sainte, c'est pas grave si c'est juste ça. Tout va bien, jusqu'ici, tout va bien. Comment je suis trop content les gars, eh, merci les gars, merci les gars. Donc je vais prendre mon temps, je vais lire la brochure, la batterie, les clés, elles sont là, bang bang, le transfo, le machin, le chargeur, la trousse à outils, les zip ties, etc., etc. Une petite diode, on va prendre son temps, prends bien ton temps. Surtout il est midi, 12h30, faut que j'aille manger, faut que je reprenne le boulot, la mécanique, m'occuper de mes clients. La Peugeot, la Tomos, le bordel, le Ciao, wouh, il y en a qui bossent. En tout cas, je suis super content comment il est beau ce petit Suron. J'ai fait ce que j'ai pu pour le déballage. On verra si on va être motivé pour acheter un e-bike. On verra. C'est pas un vélo, hein. Il a les cale-pieds. Ok? C'était tout, les gars. On va faire l'essai, tu restes tranquille. Je suis pas hyper pressé, je suis content, mais tranquille. Le vieux daron, bien sage, wise. Prends bien ton temps, apprends ton véhicule. Il est chargé, je suis sûr qu'il part là tout de suite. Mais c'était tout, les gars. Soyez patients dans la vie, comme daddy. Je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas. En attendant la prochaine, gardez du jour. Malentendeur avec un grec. Voilà, grosse. Elle est énorme. Comme mes Blue Balls. Et mon nouveau Suron 2024. Oui. 3, 2, 1. En plus, il y a les Mexicains derrière. C'est la Razzia. C'est la rentrée des classes. Ils sont tous là. Ils vont tous baver dessus. Tous avoir des trucs à raconter, tu vois. Sale bourgeois, c'est quoi ça? Voilà. Patate!